Coucou les enfants! Alors là, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire un travail en langage. En fait, je vais vous lire des phrases et vous allez devoir répondre à ma question. Et pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir que vous compreniez bien la phrase, d'accord? Donc écoutez bien. Alors, la première phrase que je vais vous dire, c'est la suivante. Maman est de retour avec des croissants. Bien chaud et du pain. Maman est de retour avec des croissants bien chauds et du pain. Ma question sera la suivante. Pardon. Où était maman? Où était maman? Est-ce qu'elle était à l'école? À la boulangerie? Chez le dentiste? À vous de réfléchir, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Deuxième phrase. Les élèves qui ont fini leur salade dégustent des pâtes à la sauce tomate. Les élèves qui ont fini leur salade dégustent des pâtes à la sauce tomate. Où sont ces élèves? Où sont donc ces élèves? Est-ce qu'ils sont au dortoir, à la maison, à la cantine? Bien. Alors maintenant, on va vous donner les réponses. Donc, pour cette phrase-là, on comprend que les élèves sont à la cantine. D'accord? Et pourquoi on comprend qu'ils sont à la cantine? Parce que dans ce que je vous ai dit. Déjà, on vous dit que ce sont des élèves, d'accord? Donc si ce sont des élèves, c'est qu'ils se trouvent où ça? À la maison ou à l'école? À l'école. Et qu'ils sont dans un endroit où on mange, d'accord? Donc l'endroit où on mange quand on reste à l'école, souvent en tout cas, c'est la cantine, d'accord? Donc les enfants se trouvaient à la cantine. Pour notre première phrase du début, donc, qui était Maman est de retour avec des croissants bien chauds et du pain. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à deviner où se trouvait maman? Eh bien, c'est ce qu'elle ramène, d'accord? Donc, elle ramène du croissant, des croissants, pardon, du pain. Donc, où est-ce qu'on peut acheter toutes ces belles choses en général? Donc, ça va plutôt être à la boulangerie, même si bon, c'est vrai qu'on peut aussi en acheter en grande surface, d'accord, au magasin, mais l'endroit où on achète ce genre de petite douceur, ça va être surtout à la boulangerie, d'accord? Voilà.